fais, papy, tu vas mettre le rallye, le logis un peu plus au nord, là, par exemple, ici, tu le planques, tu le vides. Ouais, reçu. Vas-y, planque, tu nous planques juste à droite, là, dans les arbres. Oh putain. Yo les soldats, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Squad pour ma toute première partie jouée en compagnie de la communauté française sur les serveurs de joinsquad.fr et avec le mode de la faction française. Bref, ma toute première partie 100% français sur Squad. On en a bavé comme jamais, mais je voulais tout simplement immortaliser ce moment et remercier encore une fois l'équipe de Tactical Collectif pour leur travail. Je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. On bouge. Il y a une hab dans cette, sur cette position. Et on commence à progresser là sur Marqueroy. Et je commence à prendre les bâtiments. La hab est sur Marqueroy, hein. C'est très précis, j'ai visu dessus, je vous couvre, j'attends. Sur le toit, nord-est, nord-est. Tombé. Un deuxième véhicule qui se déplace. Faites gaffe, ils sont sur les toits. Il y a un autre logis en mouvement. Oh le FAMAS, il est beau. À Boveron. Ouais, ils sont juste à côté de la, à côté de leur logis. Il me semble que je l'ai eu en même temps, je suis pas sûr. Mais... Je suis avec toi, Sharky. Ok, Cold Breeze, Snake Man et Atelour, vous restez vers la hable sécurisée. Tous les autres, essayez de sécuriser la hable ennemie sur Marqueroy. Moi, je vais vous rejoindre. Tous ceux qui sont morts, vous spawnez hable. On refonce sur la hable ennemie. Suis. Suis. Putain, hab overrun de nouveau. Ouais, faut reconstruire la radio là. Essayer de contourner. Non, je peux pas passer par là. Vous avez trouvé leur radio ou pas? Non, non. Non, je pense à mettre des coups de pioche là. Pas de pelle. Oh putain, frappe! T'as arrivé à sécuriser la hab. Ok, super. Et Tipex, comment? Oh, on prend une frappe d'artillerie sur notre position là, sur la position de la Benny. J'ai plus de bandage. Essayez de trouver la radio si vous pouvez. Il me faut un bandage, je vais mourir. C'était de l'artillerie, mais toi. Ah, j'ai besoin de toi. Je vais rester là-dedans, là, ça se rapproche de moi. Je vais rester là. C'est bon, l'orage est passé. Ok. J'essaie de prendre appui sur les rochers qui sont là-bas. Ils arrêtent de taper au mortier, il y a moyen qu'ils reviennent. Là-dedans. On est en train de décaper Tempest, donc c'est super. Bipier. À la défense, on est bien et le commandant arrive à prendre le truc à l'attaque. Du coup, nous. Côté mort. Reçu, Polo.
Tout le monde est mort. Alors attends, on va se faire un petit tir au lance-grenade. Alors à la limite, Tex, si t'es chaud, tu m'envoies deux smokes sur marqueur œil. Essayer de leur faire un écho fumé, on va essayer de traverser le champ. Si on a une EMG, elle peut s'installer sur ma position bah, à peu près, enfin de ce côté-ci du champ pour faire de la suppression si on se fait engager. Ok. Je suis blessé là, j'arrive, j'essaie de recoller sur vous. Il y a la... Ouais, je vais reposer une caisse de mun. Elik ! Putain. Il me faut un bandage, il me faut un bandage. Ouais, ah où la caisse de mun, la caisse de mun. Il y en a pas. Oh, t'arrives au bon moment là, je vais crever là. Ouais, je vois ça. Alors merci. Ouf. Pas de soucis. Faudra une caisse de munitions si possible. Ouais, j'avoue. Ouais, je viens d'en poser une. On se soigne et on repart tous ensemble. On va bouger sur le move marker là-bas. On va essayer de s'installer là-bas et avoir un visu sur Tempest, mettre un rallye et essayer de protéger les collègues. Vous êtes traité les mecs à l'ouest là? Bah j'ai l'impression qu'ils se sont repliés, ouais. Ok. Vous avez vu, hein, j'ai laissé les noms des joueurs sur la tête, on les voit mieux que d'habitude. C'est tout simplement... J'avais fait ça pour l'interview, puis du coup je les ai laissés. Et puis bon, j'ai pas envie de faire un TK avec le FAMAS, en tout cas pas maintenant quoi. On va récupérer un peu l'endurance. Bon, a priori je vois rien. Il y a un tigre qui a été marqué. Affirme. Ouais, affi. Ouais, il nous engage. Ouais, le tigre nous engage. T-Bex, si tu peux lui faire plaquer une smoke dessus ou au plus proche. Anti-tank, tu peux essayer de contourner si la smoke elle fonctionne. Azimut 240, il arrive sur nous là. Je recharge. Smoke. Ok, les ATC pour nous. Yes. Touché. Terminé, tu l'as eu? Derrière la butte là, le véhicule. Il y a un logis de breton. Faire attention, faire attention. Ouais, ouais, il se déplace. Faut neutraliser le logis. À votre sud, Polo. À votre sud-est, pardon, sur la route. Dans la cabine, la cabine. Oh, je le sens tellement pas ce champ. Là, ça va encore. Ça a plus c'est plus sud après qui pue. Ah, voilà. Ouais, cool. Couchez-vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Avancez, couchez. Papy, t'es pas optimiste. Non, mais je le savais. Les blessés, vous patchez pas, je suis là. C'est chaud, c'est chaud. En même temps, c'est une carte de champ, donc c'est compliqué. Non, mais moi, les maps d'agriculteurs, je me méfie toujours. Fais gaffe, Kinou. Ah, comment il nous voit là? Sharky, t'es quel cap, Polo? Bah, plein ouest dans les. Sur les bâtiments directement. Ok, ok. Grenade!
pas où elle est partie, hein. Ouais, je peux pas trop montrer ma tête sinon je meurs. Hein. Voilà les soldats, cette vidéo s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et laisser un commentaire. Je sais que le gameplay dans cette vidéo était pas ouf, mais comme je vous l'ai dit, je voulais tout simplement immortaliser ce moment, cette première partie 100% français. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur ce mode, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune.